Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Project Zomboid. Alors, et bien dans l'épisode d'aujourd'hui, alors dans le dernier épisode déjà on avait pas mal avancé sur les constructions et je pense que dans cet épisode, et bien je vais continuer histoire d'avoir une base où je puisse commencer aussi un petit peu à ranger un petit peu mieux tout ce que j'ai. Alors je vois que, ouais, il a très faim, ça on est habitué, je vais les mettre au sec. Et puis, je vais me préparer un petit repas. Yes, parfait. Et ça m'a fait diminuer ma mélancolie. Donc ça, c'est parfait. Alors, on va le faire. Hop, on va le faire fumer. Alors, je pense qu'il peut allumer ses cigarettes quand il est sous la pluie. Ça réduit pas la dépression, ça. Non, ça réduit que le stress. Voilà ce que je vais faire. Vous avez vu, quand j'ai mangé tout à l'heure, ça a réduit la mélancolie. Je vais remanger un coup. Et il est triste. Allez, je le mets à fond. Bon, il est encore un petit peu triste, mais ça va aller. Allez, moi, je vais aller dormir, parce que là, il est tard. En plus, il pleut méchamment, là. Bon, il n'y a rien qui tape. On va aller dormir. Le petit dodo qui va bien. Alors, une des suggestions... Oh, ça tape, là. C'est ça. Où est-ce que ça a cassé? Ah, ils ont cassé la... Ils ont cassé la fenêtre ici. C'est bon, j'ai des chaussures. En même temps, je vois rien du tout. Hein. Ouais, je vais aller chercher des planches et je vais reboucher ce trou. Je crois que j'ai encore des bûches là-haut. Ouais, j'ai encore des bûches là. Ah, c'est embêtant ça. Alors on va débiter tout. On va déjà faire ça. Je vais prendre 4 planches. Je vais barricader. Hop, j'ai bien des clous. J'ai bien des clous. Bon, c'est bien, ça va remplir les collecteurs. Ça sera parfait. Voilà. Je pense pas que par contre je vais réussir à redormir. Alors il est soucieux. Je vais checker vite fait mes vêtements. Ouais, j'ai les chaussures qui sont ensanglantées éventuellement. Il a quoi comme chaussures? Il a rien du tout. Ah, je suis nu-pied. Ouais, je vais pas réussir à redormir, je pense. Non, je suis pas assez fatigué. Il va falloir que je trouve à m'occuper. Je vais ranger un petit peu tout ce que j'ai sur moi. Bon bah tant pis, je renfile mes chaussures. Les riding boots. Cool, c'est les chaussures de jockey. Ah ouais, j'ai tout beau comme ça. Ok, je fais un petit peu de rangement, histoire d'attendre de voir si je suis pas un peu plus fatigué par la suite. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des bouquins, je vais aller les lire. Vous voyez, la dernière fois, j'avais lu La Menuiserie, là, celui-là. Là, l'idée, ça serait peut-être de lire L'Agriculture. Ouais. Est-ce que vous me disiez sur cette pièce-là, elle est considérée comme extérieure. Vous voyez, hein, on voit il pleut dedans. Une des solutions, ça serait peut-être de péter la rambarde et de reconstruire les murs. Agriculture pour les nuls. Parfait, allez hop, petite séance de lecture. Ouais, d'autant que là, ça va commencer à bien donner. Ok, là je suis à l'abri. Voilà, on a eu une intrusion. On a eu une intrusion. Ouais, ils sont en train de péter en bas. Il doit y avoir un groupe. Ouais, c'est ça. Bah alors, madame. Ouais, c'est bon, il y en a qu'un. Dès qu'il va faire beau, il va falloir que j'aille faire le tour de la zone. M'assurer que il n'y a pas des petits marioles. Allez, je vais aller continuer ma petite lecture. Vous avez vu le temps qu'il fait? Ce vieux cri. Ce vieux cri du mec qui se cogne, quoi. Ou alors un abonné a remarqué... mon système de rangement.
Allez, je reprends ma petite lecture. Yes, superbe. Et voilà. Il fait tout beau. Et on a lu le bouquin. C'est parfait ça. Il faudra que j'aille manger par contre parce que le personnage commence à être pas mal fatigué. Ok, rangement du bouquin, petit repas. Il va falloir que je monte le frigo. Je vais en profiter, je vais fumer la petite clope. Voilà, je vais aller me chercher un jeu de fringues dans la voiture. Je pense qu'on va réussir à se récupérer quelque chose de plutôt correct. Ouais, je suis congelé. Ok, c'est pas mal. On a une belle pluie. Ah, regardez, on a des petits punks là-devant. C'est bête, j'ai pas ma spire. Voilà, on a des pantalons de pompier là. Ouais, celui-là est pas trop ensanglanté. Et au niveau des hauts, bon, au niveau des hauts, on n'a pas grand-chose. Ouais, on n'a pas grand-chose. Bah tant pis, je vais prendre les petits gilets. Je pensais que j'avais plus de choses. Enfin, je trouve un moyen de le laver celui-là. Bon, c'est pas grave, on va y aller comme ça. On est tout beau là. Peut-être aller chercher une spire. Hep, hep, hep. Alors madame? Bah oui. On commence à avoir un beau bordel là. Alors. Ouais voilà, on a des gens ici, hein. Ça n'est pas bon. Ah, t'as moitié un chapeau de Père Noël, toi, non? Ah non, c'est tes cheveux. Tes cheveux qui sont comme ça. J'ai cru qu'elle avait un chapeau de Père Noël. Ça m'aurait paru bizarre, c'est pas vraiment la saison. Alors, est-ce qu'on a du peuple par là? D'où viennent-ils tous ces zombies? Ok, bon, rien de ouf. Je vais aller me prendre un petit coup de vitamine, je vais aller couper des arbres. Ça va permettre à mon personnage de perdre un peu de poids. Pour l'instant, il n'est pas en phase de perte de poids. Et ça, c'est bien dommage. Ah bah toi, attends, viens là. Boum. Ah, t'as peut-être des chaussures propres, toi, non? Un petit peu, on va remplacer. Marquer. Ouais, elles étaient en bon état. Bon, éventuellement, je prendrai. Allez, je me fais une petite découpe de bouche. Hein. Est-ce qu'on a encore des petits zombards là-dedans? Je pense pas. Le problème c'est que je suis. Ouais, je suis un peu fatigué. Hein. Ok. Allez, je vais déjà remplir un des sacs. Ouais, j'ai le deuxième. Ils sont inquiétants ces bois. Ok, allez, on rapatrie de la bûche. Personnage est très 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 fatigué. Très essoufflé, fatigué. J'ai pas envie d'aller dormir maintenant. Mais on a ramené une petite dose de bûche. Et ça, c'est bien. Ouais, il faut que j'aille faire la porte par contre. Je vais aller poser tout ça là-haut. Ouais, je vais poser ça là. Ok, je vais aller barricader devant chez moi. Parce que ça m'inquiète un peu ça, et j'ai vu que j'avais cassé ma hache. Donc on a plus cette arme là. Ça c'est bien dommage. Je vais la laisser là bien en évidence, et la Woodax, voilà, juste à côté. Comme ça je les vois. Bon, visiblement on a... Ah si, on a du monde là.
Je vais aller chercher. Je vais aller chercher une spire. Ça va être plus efficace. Ouais, je suis très essoufflé. Je me fais une petite spire. Puis j'ai pris un niveau de menuiserie, ça devrait être pas mal. J'ai pas de couteau. Yes, couteau cassé. Ah, tout va tellement bien. Ah, du coup, il est chargé. Qu'est-ce qu'il charge comme ça? D'accord, j'avais pas mis les planches dans le bon sac. J'ai très faim et je suis exténué. Bah, je vais tenter de dormir malgré les zombies qui sont devant. Parce que là, si je me bats, je vais pas être bien. On va se créer une salade. Ouais, je vais aller m'en chercher un autre chou. Et ça sera pas mal. Ouais, je vais pas aller me battre tout de suite. Je mange avant. Et ben on a plus de choux. Oh, ça va être la galère, la bouffe. Vous me direz, on a les... on a tout ce qu'il faut aussi. Hein. Allez, dodo, tant pis. J'espère que la nuit va bien se passer. Ah, avant de dormir. Avant de dormir, je vais le faire fumer. Voilà. Allez, dodo. Oh yes, bon, on a passé la nuit, dis donc. Parfait. Ah, ça y est. On a une baisse de poids. Nickel. On va s'occuper des petits visiteurs. Ouais, ils sont toujours là. Fermer la porte quand même. Et puis je vais pouvoir enfin commencer à ramener de la bûche. Je vais me faire plusieurs allers-retours, je pense. Histoire de faire le plein. Et de pouvoir avancer sur les travaux là-haut. Et puis moi, ça va me permettre aussi de prendre du level. Tac, j'ai vu que t'avais un Toki, toi. Le Toki, ça nous intéresse. Alors j'ai les planches. Je vais tout de suite aller barricader devant. Hop, la petite barricade qui va bien. Yep, nickel. Ouais, je vais reprendre la... Oh non, je vais pas reprendre la... Je vais pas reprendre la hache en bois pour l'instant. Je vais déjà ramener tout ça. Ça va déjà bien m'occuper. J'ai laissé le sac là où je vais le chercher. Yes, le voilà. Ouais, ça, je vais le laisser là. Ah, j'avais des gants de... J'avais toute la combinaison de jockey. Enfin, d'équitation en tout cas. Ça fait une bonne protection. Hein. Les bottes sont super bien. Et puis, les gants sont pas mal non plus. Ils sont plutôt stylés en plus. Ça ressemble plus à des gants de pilote. En équitation, je sais pas si on a des gants. J'avoue que c'est un sport que je connais peu. Tu fais quoi là, toi? Boum. Bah, on en a un autre qui arrive, dis donc. Attends, mon petit coco. On va s'occuper de ton cas. Ça fait toujours des trucs à démonter. On est un peu pour. Oh bah toi t'avais un flingue. Ouais, il y avait un arrivage de zombies, je sais pas d'où ils venaient. C'est un peu curieux. Allez bon, je vais essayer de me faire une petite session peinard là, ramasser des bûches, les ramener. Ça va pas être passionnant, donc je vous fais tout ça en accéléré. Ah, regardez, on a les choux là qui sont prêts. Ouais, ça non, ça a pas l'air prêt. C'est bien ça. Bon allez, je pose mes bûches et je continue. Hein. On a de la visite de l'autre côté. Ouais, on a un groupe qui s'est installé juste là. Ça, c'est les gilets jaunes. T'es interdit de manifester en ce moment.
et puis ils m'ont ramené des bottes toutes neuves. Nickel. On va aller s'occuper de... Oh. Bêta bloquant. Dans notre situation, c'est... les bêta bloquants, c'est bien. Alors... qu'a-t-on ici? Regardez derrière moi, oui. Ok. Bon, j'entends mes chats qui veulent rentrer. Petite pause. Ok. Je vais aller reprendre la découpe de bûches. Il va falloir que je m'occupe aussi des cadavres là parce que le bruit est insupportable. Hein. J'ai plus rien du tout ici. Donc on va couper. J'avais pris la bout d'axe. On va pouvoir s'occuper de ça. Yes, parfait. Ok, très bien. Aïe. Ça ne me plaît pas. Il y a eu un coup de feu. Ça veut dire que ça va rapatrier plein de monde de partout. Comme je vois pas de zombies, je ne sais pas dans quel sens ils vont. Je vais me faire un petit sitting. Pour l'instant, je vois personne. Je vois pas de zombies. Ouais, personne. Bon, ça m'a permis de faire une petite pause et de récupérer un peu d'énergie. Par contre, vous avez vu le temps? Je pense qu'on va encore avoir un orage. Hein, parce qu'on adore les orages, nous. On sait bien, c'est notre grande passion. 10h30 et il fait nuit. Et on n'y voit rien du tout. Donc, on prend de la bûche. Ok. Encore. Et une petite dernière ici. Nickel. Parfait. On va ramener ça, j'en ai encore quelques-unes à ramener. Je vais faire un aller-retour. Oh mince, ça tape de l'autre côté, je les ai pas entendus. Hop, on va déposer les bûches. Déposer les bûches ici, tant pis. Avant qu'ils pètent la porte, je vais aller plus vite à poser le sac. Voilà, alors. Merde, il essaie de péter là. Attendez, je vais faire le tour, on va aller s'occuper de ça. Ils sont pas là, ils sont de l'autre côté. Je le vois pas. Regarde, il est où? Oh, il est à l'étage. Et ouais, ça serait bien ça. Petit bâtard. Oh, la gueule. Et voilà l'orage. Ah, par contre, on a récupéré les clés de la maison. C'était le propriétaire, je pense. Nickel. Bon, alors on a vu... ouais, alors là, du coup, ce qui est plus gênant, c'est que ils ont pété aussi la fenêtre en bas. Ça va être extrêmement compliqué de construire ici. Poser la bûche, là, au niveau... Ouais, ça va, ça va, ça va. Bon, allez, hop. Faut que j'aille refaire des planches et que j'aille barricader en bas. Je vais en débiter... Prendre direct sur moi. J'ai encore de la place pour des planches. Oui, je pense que nickel. Ça ne servait pas à grand chose ce que je viens de faire, mais bon. Là, ils ont tout pété ici. Et, ouais, et là, on n'y voit pas grand chose. On va se dépêcher de barricader ça. Ah mince. Il me manque. Débiter 1. Voilà. Là, mon vieux. Je vais bien barricader des deux côtés, hein, ça va être plus sûr. Voilà, et je vais aller faire de la même chose de l'autre côté. Ouais, là c'est bon, il y en a 4. Je vais aller par là. Ouais, avec le temps qu'il fait, je vais retourner chercher une dernière fois des bûches dans dehors, là. Le backpack est là-haut. Voilà, je l'ai laissé ici. Voilà. Forcément très prudent, je vais avoir besoin de bûches. Ouais, pour ce que j'ai à faire là-haut. Il y a un vent de ouf. Oh, on n'y voit rien. J'espère que les zombies n'y voient pas non plus. Hein. Ça serait de la triche. Ah putain, là. Oh, j'ai
j'étais blessé, j'étais mordu. Oh, j'ai rien. Oh, le coup de peau. Viens là, viens là. Alors toi, je vais te payer. Ouais, j'ai pas eu ma bûche en plus. Je vais prendre la hache plutôt. Là, je l'ai pas entendu arriver. Hein. J'ai l'orage en même temps. J'ai rien entendu. Bon, allez, on va pas faire le héros. On va rentrer. On a eu ce qu'on voulait. Oh, puis là, il y a l'orage. Ça va nous rameuter plein de monde. Je vais juste aller voir s'il n'y a pas du monde par là. Ah si, il y en a deux là. On va les faire. Hein. C'est bon, il n'y a personne à la porte. Voilà, et de 1. Oh, on n'y voit rien. Je vois que dalle. Je vais aller les faire là devant les... ouais, devant la lumière. C'est bon, le v'là. Ouais, c'est pas prudent parce que là, il n'y a pas de visibilité. Voilà, on sera mieux. On sera mieux à l'intérieur. Et c'est marrant, ici, il n'y a plus de lumière. On va économiser un peu les lumières. Parce qu'on a vu, on avait la consommation du générateur là-haut. Et puis là, c'est l'orage, non? Là, c'est le bel orage. Je vais aller vider mes bûches. On va aller vider toutes les bûches ici. Ok. Allez, petit repas, bien mérité. On va fermer cette porte, là, parce que du coup... on a vu qu'on avait de la visite et on va récolter ici. Alors j'avais bien lu l'agriculture. Oui, c'est ça, level 3. On va pouvoir prendre ça. Remarquez, avant de prendre ça, j'ai bien envie de monter le frigo ici. Pour que l'orage soit passé, parce que là. Ouais, on va récolter ces deux-là. Récolter. On devrait avoir des graines, on voit des petites fleurs, ça veut dire qu'il va y avoir des graines. Alors qu'est-ce qu'il a eu? Des graines, oui, et 9 choux, vous voyez? C'est plutôt correct, hein. On va faire son petit voisin. Quasiment un point d'agriculture. La pêche, ouais, la bêche doit être... Alors comme vous l'aviez dit, hein, il faut que je me fasse une petite zone de rangement. Ah, puis on a là aussi. Yes, petit point d'agriculture. On va aller poser tout ça ici. Pour l'instant, je vais les mettre là parce qu'ils sont assez lourds. Je vais juste en garder un, le temps de me faire un petit repas. Voilà, le repas est prêt, la petite clope avant de manger. Ok, super. Alors, j'ai un peu de place sur moi, on va tenter le déplacement du frigo. On va mettre tout ça là-dedans, on va prendre tout ça, et hop. Trop lourd pour l'inventaire. Qu'est-ce que j'ai comme bazar? J'ai plein de bazar. Bon, je vais me vider un peu et ensuite, on va déplacer ce frigo. Ok, bon, là, j'ai rien du tout. Ça devrait passer tranquille. Hein. Ouais, parfait. Bon, on va essayer de pas se blesser, là. Je réfléchis, je vais peut-être le mettre directement tout en haut. Parce que, après, avec toutes mes bûches, là, je vais pouvoir construire le... mon petit toit. Ok, on va le poser ici. Je sais pas s'il fonctionne. Ouais, s'il fonctionne, ça passe mieux. On peut faire fonctionner le frigo en extérieur. C'est plutôt marrant. Hop. Nickel. Oh, vous avez vu ça, il fait nuit. Il fait nuit dehors. Terrible, on n'y voit rien du tout. Hein. Alors, je vais aller récupérer les petits choux que j'avais planqués par ici. Voilà. Hop. Je vais en profiter, je vais monter quelques bûches. Vous me direz, l'avantage, c'est quand il y a un vieil orage comme ça... Pas moyen que les aides entendent le générateur, je pense. Je vais commencer par l'étage. Alors là, par contre, il va s'agir principalement de ne pas se vautrer. Je pense pas qu'on puisse se faire foudroyer. Hein.
Ok. Ah, je peux me laver moi-même. Je vais faire ça. Profiter qu'il y a de l'eau au sol un peu. J'ai entendu une porte cassée. Ouais, j'ai distinctement entendu une porte cassée. Ou alors c'était l'orage. C'est plus calme à l'intérieur. Là, c'est intact. Ouais, là, il y a encore la porte. Je pense que c'était l'orage. Bon, bah écoutez, je vais attraper ma pelle, je vais aller m'occuper du jardin. Ça va être compliqué de dormir par ce temps. Hein. Plusieurs fois qu'on se paye un vieil orage comme ça, c'est franchement pas cool. Hein. La région n'est pas très accueillante. Hop, on en profite, on optimise. On va monter avec les bûches. Hein. Voilà. Avec toutes les bûches, s'il te plaît. Parfait. Bon, j'ai l'impression que ça se calme. Hein. On a peut-être les carottes là qui sont... Non. Qui sont prêtes? Non. Alors... Hop. Il y avait ici. Et là. Attendez. Oh oui, j'ai les choux. Attendez. Faut qu'on les pose hein, quand même. On va les mettre au congélateur ceux-là. Super. Bon, il aura pu toute la journée. Je vais vite aller planter les graines. Ouais. On a de la pluie gratos. Hein. Alors... On avait dit des choux. On va prendre ça, on va ouvrir ça, et on va ouvrir, voilà, comme ça on a choux, tomates et pommes de terre, histoire de varier. J'ai entendu un truc cassé en bas, je m'ai vite fait mes trucs parce que si ça s'arrête de pleuvoir ça va pas être cool, c'est là. Et les choux, voilà, allez, on va aller s'occuper un petit peu des marioles qui sont en bas là. Ah oui, c'était l'orage hein, qui faisait ce bruit-là, peut-être. Hein. Là, ça ne tape pas. Non. Et là-bas, il y a toujours la porte. Moi, je ne sais pas ce qui fait ce bruit-là. C'était l'orage. Mais c'est pas grave. C'était l'orage. J'ai rêvé. Je suis devenu un moitié parano. Alors, vu qu'il fait pas très beau, je vais regarder ici. La cuisine, je ne l'ai pas lue. Je vais aller voir si je peux pas me la lire vite fait. Ah, je l'ai pas. Comme ça, c'est réglé. Éventuellement, un des trucs que je voulais monter aussi, c'était l'électricité pour pouvoir hacker les voitures. Donc ça, je vais le prendre avec moi. Et puis écoutez, on va monter. On va y monter, essayer de finir la petite, le début de base qu'on a fait là-haut. Ouais, je vais essayer de monter, puis je vais finir un petit peu la base que j'ai commencée. Au moins les murs. Hein. Je crois, sur moi, j'ai de la bûche. Écoutez, c'est parfait. Je vais faire le toit jusqu'à ce niveau-là. Ça paraît une bonne idée. Je vais prendre avec moi des bûches. Alors, on va les faire 3 par 3. Ça sert à rien de trop charger. Aziz, la lumière, je vois rien. Voilà, je suis. Ok, on va faire là devant. Ok, super. J'ai réussi à faire mon petit toit comme je voulais. Ici, moi, j'étais parti en me disant que j'allais me faire... est-ce que j'ai encore des planches? J'en ai encore une. Hop, on va la débiter. Je vais faire mon cadre de porte, déjà. Je vois rien. Non, il n'y en a pas. J'arrive pas à construire de cadre de porte ici. Et là non plus. Ça se trouve, il y en a déjà un, en fait. Ok, alors je voulais vérifier un truc par contre. Ouais, je vais pouvoir le faire. Alors ça sera au niveau. Au niveau 3. Au niveau 3. Donc là, ce que je vais faire pour atteindre. Au niveau 3. Le niveau 3, c'est au niveau. Le niveau 3 des murs, c'est au niveau 7 ici. Donc je vais continuer de construire mes cadres ici. Ouais, il est 22h, il va falloir que j'aille dormir. Qu'est-ce que j'ai encore comme bazar sur moi? J'ai mon bouquin. Ah, je suis bête. J'ai. Hop, ouais, j'avais ça qui traînait encore. Ouais, j'ai entendu un. J'ai entendu un truc cassé au rez-de-chaussée. Ah, si, là, on entend là. Je vais m'attraper un petit coup de vitamine, un petit coup de bêta-bloquant. Et on va aller les calmer. On va se faire la petite fumette. Il est dépressif. Il était dépressif, mon ami, je sais bien. Toujours quelque chose qui va pas. Allez, on va aller s'occuper de ça.
voulez pas venir? Vous voyez, dehors, je le sens pas des masses, moi, le... Ah, c'est bon, on va voir un petit peu. Est-ce que tu étais tout seul? C'est ça, la question. Ouais, visiblement, il était tout seul. Voilà. C'est réglé. J'avais pas rêvé. Il y avait bien quelqu'un qui était en train de tambouriner à ma porte. Hop, on va aller ranger tout ça et on va aller faire dodo. On mérite de dormir, on mérite d'avoir un beau chez nous. Ok, parfait. Ouais, dodo. Et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus parce que là... Ouais, attendez, mais dépressif, assoiffé. Oh là là. Ouais, les bouteilles vides. Est-ce que j'avais pas des bouteilles toutes prêtes là? Non, j'ai rien du tout. Ah voilà, j'ai ma gamelle d'eau ici. Vous me direz, ça sert pas à grand chose vu que. vu qu'il pleut, mais depuis. Je sais pas, je crois qu'il pleut depuis le début de l'épisode en fait, quasiment. Hein. Et ça retape. C'est un truc de dingue, je vais pas y arriver. Ça tape pas. Ah bah voilà. Oh le bordel. Alors regardez ça. Est-ce que je mettrais pas à un moment des voitures devant les entrées? On va attendre qu'il se relève là parce qu'il est contre la vitre. Voilà. On n'avait pas rêvé. Il y avait bien du monde. Et là-bas, ah si, là-bas il y en a un. Madame. Voilà. On n'aura pas réussi à être peinard 5 minutes pour pouvoir construire tranquillement. Du coup, on a fait 3 bouts de toit et on a monté 2 bûches. Et l'orage qui continue. Oh bah cette galère. Cette galère infinie. Cette galère infinie. Bouteille vide. Eh bah si on est bien. Je vous le dis, moi on est très très bien. Bouteille de soda. Est-ce que j'ai pas une petite bouteille histoire de boire tranquillement? Non. Oh, j'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Bon, faudrait que je tente le feu de camp. Remarquez, j'ai juste une légère soif. Allez hop, dodo, c'est pas grave. Avec un peu de chance. Cette pluie va s'arrêter à un moment ou à un autre. J'aimerais. Ça m'arrangerait quand même. Un moment que ça s'arrête. Ah, la pluie s'est arrêtée. Et je suis assoiffé. Oh. La pluie se serait-elle arrêtée? Oui. Il ne pleut quasiment plus. C'est une pluie normande, donc ce n'est pas de la pluie. Ok. Je vais essayer de m'allumer vite fait. Ouais, vite fait un petit feu là. Histoire de remplir mes bouteilles d'eau. Ah non, il est mouillé, je peux pas. Oh la loose. La loose. Bah écoutez, au prochain épisode, les amis, l'objectif, ça sera de l'eau. Alors, à manger, ça va. Sur l'épisode, quand même, on a vu que l'agriculture fonctionnait plutôt pas mal. On a tout ce qu'il faut pour manger. Et pour l'eau, bah, on pourrait boire de l'eau sale, mais j'ai pas envie de me choper une infection. Donc, je vais éviter. Donc, au prochain épisode, bah, je vais essayer d'avancer un peu plus sérieusement là-dessus. Là, on a quand même été pas mal freiné. Ouais, on a été pas mal freiné. Sachant que, ouais, quand j'aurai commencé à couvrir toute cette partie-là, je serai un peu tranquille. Et je pourrais commencer à mettre des meubles ici pour pouvoir ranger. Et là, enfin, on aura une base rangée. Enfin, rangée
façon Jack. Hein. Donc, rangez vite fait, quoi. Eh bien, en tous les cas, les amis, merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Pensez, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut !